Après plus de 2 ans, 6 mois, 9 jours, pour un total de 922 jours sans vidéo de Mac, il est de retour. Bonjour. Hey les gens, ici Devil Duck. Et oui, ça y est, une vidéo sur un mod sur Minecraft. Mais que se passe-t-il? Là n'est pas la question. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du mod Personal Cars en version actuelle 1.12.2. Alors, ce mod, qu'est-ce donc? Eh bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce mod va ajouter 5 véhicules. 5 véhicules, 6 items, avec donc 5 crafts. Vous verrez pourquoi. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je vais prendre ma petite clé. On va aller prendre une petite voiture et je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est que ce mod. Alors, j'ai ma petite clé. Hop, ouh, j'allume ma petite voiture. Je la démarre. Et voilà, je la démarre. Ça va être compliqué avec les... Alors, c'est une voiture très rapide, comme vous pouvez le voir. On va essayer de pas se casser la gueule. Ouah, on rentre dans des voitures. Voilà, parfait. Donc, comme vous pouvez voir, ça ajoute des voitures. Assez stylé, assez sympa. Qui roule assez vite, ça dépend. Non, je veux pas me noyer. Non. Ah, voilà. On va essayer d'aller sur la route. Bon, c'est pas très maniable, mais on arrive à s'en sortir. Alors, je me gare. Et nous y voilà. Je verrouille ma voiture. On va poser la clé là. Et nous y voilà. Alors, voici la salle des crafts. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 items. Et 5 crafts. Celui-ci n'est pas craftable, vous allez voir pourquoi. Donc, premièrement, nous avons la clé. La clé qui se craft comme ceci, avec un bloc de redstone et 2 lingots de fer. On va les mettre comme ceci dans la table de craft et on obtient donc la clé de voiture. Cette clé de voiture, pour l'instant, comme vous voyez, not paired, elle est associée à aucune voiture. On verra ensuite comment faire pour l'associer. Ensuite, nous avons le modificateur de clé qui se situe ici, vous verrez le bloc juste après. Donc, il se craft avec 5 lingots de fer, comme ceci, avec un bloc de fer, donc ça c'est ce qui coûte à peu près le plus cher on va dire pour l'instant, une clé de voiture donc on avait déjà crafté et 2 bâtons sur les côtés. Hop, on va le mettre dans la table de craft et on va avoir notre modificateur de clé qui, comme son nom l'indique, va pouvoir modifier des clés. Ensuite nous avons le moteur qui se situe comme, enfin, qui se présente comme ceci, se craft avec 2 pistons, 5 toujours lingots de fer et 2 redstone au milieu. On va le craft tout de suite, hop, on se met dans la table de craft, on met nos 2 pistons sur les extrémités, on met un socle de lingots de fer ainsi que 2 lingots en haut à droite et en haut à gauche, ainsi que 2 redstone dans les compléments, ce qui nous donne le car engine. Ensuite les roues le plus important pour rouler bien sûr, donc 1 lingot de fer qui fait la jante entre guillemets, plus des encres, hop, on va les prendre s'il te plaît, qui représente entre guillemets la coloration noire de la roue et qui fait le caoutchouc. Voilà, donc on a 4, on va en laisser une. Ensuite, de ce côté, ça va être un objet spécifique, qui s'appelle le fouet, qui va être uniquement utilisable pour la voiture transporteur. Et ça se craft comme ceci, donc 1 de cuir, ainsi que 2 ficelles en diagonale. Donc on met le cuir en bas à gauche, et on met comme ceci. Est-ce que ça se craft dans l'autre sens? Oui, donc ça se craft dans les 2 sens. Et on obtient donc le lasso, le whip. Et ensuite, donc on a le fameux keymaker, donc le fabriqueur entre guillemets de clés, qui ne se fabrique pas, c'est uniquement un objet qu'on peut obtenir avec des mods tels que Not Enough Items ou Too Many Items, et il ne se crafte pas et il permet d'obtenir en fait des clés, voilà, des clés avec, comme on peut voir en dessous de car key, donc la clé de la voiture, c'est marqué paired with car, donc c'est elle est associée à la voiture avec donc un numéro. Et en l'occurrence, là, c'est le XIHO, donc ce qui correspond à cette voiture. Et comme on peut voir, quelle que soit la clé que j'utilise, ça marche. Donc c'est un objet de cheat qui permet d'obtenir la clé de la voiture de quelqu'un d'autre, ou de soi-même si on a perdu la clé. Alors, ensuite, on va voir les voitures. Donc, il y a 4 coloris. Donc, il y a bleu avec le lapis-lazuli, il y a vert avec le pigment vert du cactus, il y a rouge avec les fleurs rouges, et il y a gris avec, je ne me souviens plus comment on obtient le gris, mais ça doit être la clay. Ensuite, voilà. Donc là, on arrive dans la salle du craft des voitures. Comme on peut voir, la hache, c'est le seul moyen de mettre le véhicule
en item, donc de le mettre dans son inventaire pour pouvoir le déplacer plus facilement. On commence par le SUV. Non, c'est la voiture compacte, pardon. La voiture compacte, comme ceci, donc voilà à quoi elle ressemble. C'est une voiture qui a une vitesse moyenne par rapport aux autres et elle peut transporter jusqu'à 2 personnes, voilà, rien de plus. Donc, pour tous les objets, la base du craft est la même. Il y a un bloc de fer au milieu avec le moteur en bas, donc qu'on a crafté juste avant, et les 4 roues sur les côtés. Et ensuite, donc pour la voiture compacte, on met 3 colorants au-dessus, donc ça peut être 3 lapis-lazuli, 3 gris, 3 bleus, 3 verts, 3 rouges, enfin voilà, pour avoir la voiture compacte. On va le crafter ensemble, donc le bloc de fer au milieu, le moteur en bas, les 3 colorants au-dessus et les 4 roues sur le côté. Et voilà, on a notre voiture compacte, on va les faire rouler juste après, ne vous inquiétez pas. Ensuite, secondement, on a le SUV. Le SUV, donc, c'est un véhicule qui ressemble à... Je l'ai mis un peu trop bas, qui ressemble à ceci. Qui est un véhicule qui résiste à l'eau. Donc, c'est-à-dire, quand vous allez sous l'eau, vous avez une résistance aquatique, une respiration aquatique améliorée. Et il peut transporter toujours 2 personnes. Il se craft toujours dans la même base. Donc, un bloc de fer, un moteur en bas, les 4 roues sur les côtés. Et en haut, cette fois-ci, au lieu d'avoir 3 colorants, on a 2 colorants sur les extrémités et un autre bloc de fer sur le milieu. Hop, on va le craft ensemble, on met les 2 blocs de fer, hop, on met les 4 roues, le moteur en bas et les 2 colorants, donc ça peut marcher avec d'autres colorants bien sûr, et on a notre SUV. Voilà, donc on a l'identifiant de la voiture qui va s'associer à la clé qu'on va utiliser. Ensuite, on a la voiture de sport que vous avez vu que j'ai utilisé dans l'introduction, la voiture de sport, donc... C'est la voiture, comme on dit, la voiture la plus rapide du jeu et elle ne peut transporter qu'une seule personne. Elle se craft comme ceci, toujours les 4 roues sur les côtés, le bloc de fer au milieu, ainsi que un bloc de redstone au-dessus et les 2 colorants, n'importe quel que soit, sur les côtés. On va le craft ensemble, on met les 2 blocs, on met les 4 roues et on met les 2 colorants sur les extrémités avec le moteur en bas et on a notre race car, la voiture de course. Ici, on a donc le transporteur. C'est la voiture la plus large et la plus lente. Donc, il est lent et fait qu'un bloc de large, mais il peut transporter jusqu'à 9 mobs et, ou 6 mobs si c'est des gros mobs. Donc, il se craft comme ceci avec les 4 roues sur les côtés, bien entendu. Le bloc de fer au milieu, le moteur en bas, les 2 colorants sur les extrémités. Et vu que c'est un transporteur qui transporte des animaux, on va mettre une laisse au milieu. Hop, donc on met la laisse, on met les 2 teintures, le bloc de fer, les roues sur les côtés, le moteur et on obtient notre transporteur. Et enfin le dernier, le camion qui est juste ici, il est un peu plus large. Donc il peut stocker en fait 32 items, donc c'est comme un inventaire ou un coffre comme ceci. Et il peut transporter lui aussi 2 personnes. Il se craft donc avec un coffre, 2 lapis lazuli, enfin 2 colorants pardon, les roues, le bloc de fer et le moteur. On va les craft ensemble, on met les roues, le coffre, pardon, au milieu, et les 2 colorants, et on obtient notre camion. Alors, comme vous voyez au-dessus, là, j'ai mis les spécificités de chaque. Donc, on a, pour la voiture compacte, la spécificité, c'est le colorant, c'est-à-dire, c'est basique. Ensuite, pour le SUV, c'est le bloc de fer, et toujours, la spécificité se craft au-dessus. C'est-à-dire, là, il va y avoir le bloc de fer, là, le moteur, les 4 roues, les 2 colorants, ça, c'est toujours pareil, les mêmes crafts pour tous, et au milieu, ça va être la spécificité. Donc, pour la compacte, c'est le colorant. Pour le SUV, c'est un bloc de fer. Pour la voiture de sport, c'est un bloc de redstone pour aller plus vite. Le lasso pour le transporteur, ainsi que le coffre pour le camion. Voilà, donc maintenant que je vous ai donné tous les crafts, on va pouvoir se donner... Hop, on se met en game mode. On va pouvoir se donner 5... On va virer tout. On va se donner donc 5 clés. 1, 2, 3, 4... et 5, et on va se donner un petit key modifier avec quelques clés supplémentaires. On va se mettre en jour. Alors, comment ça va se dérouler? Tout simplement, on va donc se mettre à côté de notre véhicule. On va commencer par le premier. Hop. Donc, on a notre clé en main. Tout ce qu'on a à faire, c'est... merde. Pardon. Hop, on va y arriver. On va se mettre en normal. Je suis avec ma clé, donc elles sont toutes en not paired, c'est-à-dire c'est des clés vierges. Je me mets à côté du véhicule et écoutez... Voilà, on a entendu le petit bip bip de la voiture. Et donc notre clé, voilà, elle est ici. Elle est avec 2
FXJ. Donc c'est la voiture de FXJ. Si je fais un clic droit à côté, voilà, ça va l'éteindre ou l'allumer. On peut voir avec les phares juste ici et à l'avant que ça allume ou éteint. Je rentre dans ma voiture, je prends ma clé en question et je reste appuyé sur le clic droit. Alors la voiture de... Ah voilà, elle est déjà allumée. Donc, je sors de la voiture avec L-Shift, je rentre dedans. Là, je peux pas bouger, voyez. J'ai plus qu'à... On a entendu, voilà, on a entendu le petit bruit du moteur. On fait clic droit avec la clé associée et la voiture peut... Il y a un clipper ? Où es-tu ? Bonjour ? On peut habiller... D'ailleurs, on peut... Voilà. Non. On peut leur faire mal, mais on va pas les tuer assez facilement. Donc voilà, donc ça c'est le premier, c'est la voiture compacte. Ensuite, donc on sort, je la verrouille. On garde la clé ici, et on va aller voir le deuxième. Alors le deuxième, c'est le SUV. Alors le SUV, c'est la voiture qui va sous l'eau. Hop, on va casser les petits blocs. La voiture qui va sous l'eau, donc comme on disait, on a une respiration aquatique. Pareil, je peux pas monter dedans, vous voyez, je fais clic droit, ça s'allume pas, je prends une clé vierge, je clique dessus, ça l'allume. Je monte dedans, je peux pas bouger, je l'allume avec le clic droit, et là, ça y est. Alors, je vais aller dans l'eau, et voilà. Et donc, comme on peut voir, je suis sous l'eau. Alors, apparemment, j'ai pas de résistance à... J'ai pas l'air d'avoir de vraie résistance à l'eau, donc c'est bizarre. Sur le poste, ils indiquaient qu'il y avait une résistance supplémentaire à la noyade. Là, je suis en train de me noyer, là. Voilà, donc comme vous pouvez voir, bah, c'est du pipeau. Donc on va sortir, puisque cette voiture apparemment ne peut pas supporter plus de du même temps en fait normal quand on est sous l'eau. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième voiture, le SUV. Ensuite, on va partir sur la voiture de course que vous avez déjà vue. Donc on va pas la reprendre, c'est la voiture qu'on avait utilisée pour venir jusqu'ici. Ensuite, donc on va prendre le truc en dernier. On a le fameux camion. Pareil, je peux pas rentrer dedans. J'utilise ma clé, ça l'allume. Je monte dedans. Je l'allume et... Vous voyez comment elle est hyper rapide. C'est à peu près comme la voiture de course, j'ai l'impression. Voire même un peu plus rapide. C'est un peu bizarre. Et donc, on va pouvoir utiliser... Comme on avait dit... Non, lui c'est le coffre, pardon. Hop, donc j'appuie sur la touche en question. Donc si je vais dans les contrôles, que je descends dans le mode... Dans... non, c'est... Si c'est en dessous, personnel cars, voilà. Open car inventory, vous pouvez le changer et il y a le klaxon. Donc moi j'ai mis C, voilà. Et on peut se retrouver avec donc de quoi mettre, voilà, un peu plus qu'un coffre d'ailleurs. Et en même temps, oh excellent, attendez, c'est moi où j'ai fait mal à la vache en klaxonnant. Non, c'est un bug. Voilà, donc. Ici, ça nous permet d'avoir un petit coffre en plus, assez sympathique. Je verrouille ma voiture. Et enfin, on va voir le dernier, qui est juste ici. Il est extrêmement gros. Je pense pas que ce soit très pratique. Donc, on va se donner des œufs de vache, par exemple. Hop, on va faire spawn des vaches. Comment ça, la voiture s'envole? On va monter dedans. Et on va se mettre dans notre petit garage. Voilà. Donc on est là. Et je vais prendre mon petit lasso que je vous donne, que je vous ai donné le craft juste avant. Donc avec un, deux cuir et deux ficelles. Je me mets... Tu veux pas faire bouger ma voiture, toi. Je me mets en fait derrière. Hop, regardez ce qu'on va faire. On va se prendre une petite blé. On va se prendre du blé pour les attirer. Là. Allez, venez. Voilà. On se met là. Et là, regardez, je prends mon lasso. Ah. Alors là, c'est censé marcher. Donc en fait, en faisant un clic droit. C'est bizarre. Non, en faisant un clic droit, écoutez. Voilà, ça fait le bruit du lasso. Ça leur fait mal. Ça leur fait pas mal, pardon. Mais ça les agite. Ça leur dit en gros bas là-bas. Donc normalement. Normalement, quand on fait ça derrière, c'est censé faire rentrer. C'est censé faire rentrer l'animal. Mais apparemment, ça ne marche pas. Hop, on va faire spawn des cochons. Non, bon bah écoutez. Normalement, c'est censé faire rentrer les animaux là et ensuite les transporter. Peut-être que ce sera réglé dans une autre mise à jour. Voilà, donc on se retrouve donc pour l'explication du modifiant de clé. Donc j'ai ma voiture qui est ici. J'ai deux clés vierges, comme on peut voir ici, not paired. Donc,
J'utilise ma première clé. Voilà, je peux. Et d'ailleurs, petite info, ça marche jusqu'à 17 blocs de distance. Vous voyez là, je fais clic droit, ça ne marche pas, je m'avance. Et là, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Environ 17 blocs de distance. Donc là, j'ai ma clé qui est paired avec la voiture qui est juste là et une clé qui n'est pas paired. Donc là, si je veux, là, je peux rien faire. Je peux essayer d'allumer, ça ne marche pas. Donc j'ai mon petit key modifier. Donc là, je vais mettre ma première clé et la deuxième clé qui est vierge. Je peux faire copie et là, regardez, hop, j'ai mes deux clés qui marche. Voilà, donc là j'ai deux clés désormais, donc ça soit pour le donner un ami sur un serveur ou pour avoir des doubles si vous avez peur de la perdre. Par exemple, si vous avez votre clé de voiture quand vous partez en découverte ou en minage et que vous vous faites tuer, vous avez toujours un double quelque part. Mais ça permet aussi d'effacer une clé qui est paired. Par exemple, je la remets ici et là je peux mettre unpair et là pouf, vous voyez, unpair. Je peux la refaire ici, unpair, pouf. Sauf que là, du coup, j'ai plus aucune clé pour faire marcher ma petite voiture. Donc ça permet d'avoir des clés supplémentaires, ça permet de supprimer les idées, on va appeler ça des idées, des nouvelles clés ou des clés tout court, mais dans ce cas là ça vous détruit votre véhicule vu que vous ne pouvez plus l'utiliser. Et je vous rappelle, il faut donc une hache pour les détruire. Et bien voilà, cette présentation de mode est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ce nouveau format vous plaît. J'ai plein d'autres modes en réserve. Si ça vous plaît, je vous les présenterai. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à liker et à vous lâcher un commentaire. On se retrouve à la prochaine. Allez, allez, ciao tout le monde.